没有人知道一段爱情是怎么结束的。喜欢一个人的理由和离开一个人的理由往往是一样的。十八个月之前，他的年轻霸气、单枪匹马推翻一切传统党派的操作，文采灿烂的演说，迫切改革，舍我其谁，聪明过人的胆识，这些令法国人甚至全世界为之惊艳的优点，戏剧化的在上任十八个月之后，成为黄背心们眼里最大恶极的缺点。高傲自大，一意孤行，舌灿莲花，不知民间疾苦。在黄背心连续三个周六围攻巴黎的暴动之后，他终于打破整整十天的沉默。十二月十号星期一晚上，这场对全国的讲话被认为是他五年任期的转捩点。如果无法缓和暴动，平息怒火，法国历史上不乏被革命暴民拉下台的例子。Ce fut d'abord la colère contre une taxe, et le Premier ministre a apporté une réponse en annulant et en supprimant toutes les augmentations prévues pour le début d'année prochaine. Mais cette colère est plus profonde. 起于抗议柴油碳税的黄背心运动，在获得全盘取消碳税之后，并没有降温，因为攻击目标变成聚焦在马克宏一个人身上。从爱转恨，何尝不是十八个月以来过高的期待注定的崩坏 ？Sans doute, n'avons-nous pas su depuis un an et demi y apporter une réponse suffisamment rapide et forte? Je prends ma part de cette responsabilité. Il a pu m'arriver de vous donner le sentiment que ce n'était pas mon souci, que j'avais d'autres priorités. Je sais aussi qu'il m'est arrivé de blesser certains d'entre vous.但是他每项改革政策动辄数小时的长篇大论，往往不敌他偶尔私下被镜头捕捉到的一两句话。这只是其中几句，说者无意，听者伤心。特别是他一上任就删减了富人税，理论上是要重新吸引富人，把资金调回法国投资，创造就业机会，因此必须尽快启动，才能趁早看到效果。但市井小民的感受却恰恰相反，认为照顾1%富有的资产阶级是他的优先考虑。这就不难理解为什么黄背心们在碳税取消之后的普遍要求是重新征收被马克宏取消的富人税。Je sais que certains voudraient, dans ce contexte, que je revienne sur la réforme de l'impôt sur la fortune. Mais pendant près de 40 ans, il a existé. Vivions-nous mieux durant cette période? 但是二十一世纪资本论的作者、法国著名经济学者汤马斯·皮克提。在个人的部落格上抨击这个说法，他举证法国从1990到2017年之间的富人税征收成长了四倍，从10亿到40亿欧元，估计到2020年将可以成长到60亿。然而，同一段时间的 GDP 成长只有两倍，远远超过薪资成长，加剧了贫富差距。他认为黄背心要求的是一个全球化之后的税收正义，而且删除富人税。短少了40亿的税收，必须要另辟裁员。既然富人税是竞选承诺不得回头，那马克宏还能对黄背心释出哪些橄榄枝呢 ？Je demande au gouvernement et au Parlement de faire le nécessaire afin qu'on puisse vivre mieux de son travail dès le début d'année prochaine. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 euros par mois dès 2019, sans qu'il en coûte un euro de plus pour l'employeur.法国目前的法定最低薪资税前是1498欧元，在欧洲仅次于卢森堡、荷兰和比利时与德国一样。税后2018年的每月最低薪资为1185欧元，平均每小时最低工资为9.88欧元。但是法国每个星期的法定工时只有35小时，是欧洲最低。Les retraités constituent une partie précieuse de notre nation. Pour ceux qui touchent moins de 2000 euros par mois,Nous annulerons en 2019 la hausse de CSG subie cette année. 综合来说，马克宏千呼万唤使出来的三项具体措施是：从2019年1月起，每月最低薪资加码100欧元，加班费免课税，
取消2000欧元以下的退休金税征。他用了13分钟的时间推翻了他18个月来的政策。Mon seul souci, c'est vous. Mon seul combat, c'est pour vous. Notre seule bataille, c'est pour la France. 黄背心们在各个圆环仔细聆听这场他们等了3个星期、只有13分钟的讲话。马克宏的确释出善意，但是他们满意吗 ？On a été entendu, c'est déjà une bonne chose. Mais le combat est pas fini parce que faudrait pas que ce soit un discours qui soit fait pour nous endormir. Là, il nous fait quelques gestes, hein, faut le reconnaître. Mais pour moi, c'est pas suffisant. 法国政府连续3个星期以来取消的税收和被迫开出去的安抚支票，严重威胁到好不容易才达到欧元区预算赤字不得超过3%的要求。法国不但成了德国眼中的意大利，马克宏也完全失去了领导欧元区改革的地位。Il y avait déjà la baisse de la taxe d'habitation, l'annulation de la hausse de la taxe carbone, l'élargissement du chèque énergie et de la prime à la conversion pour les véhicules moins polluants. L'enveloppe globale dépassera les 10 milliards d'euros. C'est une grosse somme à financer. Elle le sera en partie par la sécurité sociale, à nouveau dépasser la fameuse barre des 3%.而且这笔100亿欧元的支出还不包括黄背心抗争对法国经济造成的冲击。根据法国财政部长表示，3个星期以来的损失惨重，2018年的经济成长将会减少0.1%的 GDP。根据民意调查显示，49%的黄背心认同马克宏的讲话，50%没有被说服。这个比数反映了黄背心的分裂。54%的法国人认为。黄背心应该停止抗争，这是3星期以来民意支持度的降低。但是拒绝代表、拒绝对话、安全地躲在网络上匿名抗争的黄背心们，到底是哪些人？由70名法国学者组成的团队进行了实地调查，进一步了解黄背心的典型特征。De 45 ans, propriétaire d'un véhicule et qui gagne environ 1700 euros par mois. Il appartient donc plutôt à la classe populaire ou en tout cas à la petite classe moyenne. Et surtout, chose notable également, eh bien, il se dit ni de droite ni de gauche. 他们之中有81%反对任何政党介入黄背心抗争，更有64%拒绝与工会串联。这也呼应了马克宏。当初跳脱左右传统党派竞选的中间路线，以及当选后分崩离析、瓦解既有工会的做法。马克宏曾经让他们充满了希望，但是他们不被尊重的感觉远远超过对改革的失望。他们也公开排斥传统新闻媒体，串联行动更因为脸书最近改变的新闻更新的模式而迅速壮大。Maintenant, on arrête. On va mettre à la place de ça ce qu'on va mettre en priorité dans le fil d'actualité des gens. Ce sont les contenus qui sont publiés par leurs amis, par leurs voisins, par leur famille, des pages et des groupes d'intérêt qui pourraient potentiellement m'intéresser en fonction de ce que j'ai liké les semaines et les mois auparavant. Et ça, ça va être un terreau extrêmement fertile pour le développement d'un mouvement comme les Gilets jaunes. C'est-à-dire que du jour au lendemain, 这个有多少黄背心，就有多少不同诉求的抗争。无法经由传统的政党或是工会组织疏通，在 2.0 的脸书同温层里累积了无比强大的民怨能量。他们拒绝沟通，拒绝组织，拒绝代表的抗争方式，挑战的是民主代议制度的缺陷。他们虽然拒绝所有政党的介入，却是极左派与极右派民粹势力的最爱。Mais bien sûr, comme tout un chacun, je m'en remets à la décision qui sera prise par ceux qui sont dans l'action.黄背心正为是不是要继续抗争而分裂，他却是在马克宏讲话之后第一个跳出来直接鼓励黄背心继续抗争的热心人士。他不是唯一的一位。The Gilets jaunes, the deplorables of France, the exact same type of people that elected Donald Trump to be president of the United States in 2016, the same type of people that voted for Brexit.不止班农继续在欧洲作秀，串联各国极右派，川普本尊当然不会错过这个大好机会。在巴黎第四场抗争之后，川普推文表示，也许现在是时候结束荒谬而极其昂贵的巴黎协议，并以降低税收的形式将钱还给人民。黄背心运动的最大输家，不是失去了国际声望和影响力的马克宏，
而是对气候暖化的减碳承诺。当黄背心围攻巴黎的同一时间，在巴黎的另一端，有一场登记已久没有被取消的抗议气候暖化游行。马克宏征收柴油碳税的失败，无疑对全世界企图以惩罚性税收来推动减税的执政团队是一个悲剧性的警告。马克宏星期一电视演说之后不到24小时，法国与德国边境的欧洲议会所在地史特拉斯堡发生了恐怖攻击，立刻引起部分黄背心强硬派在脸书上疯传，这是为了阻止黄背心继续抗争的阴谋论。Et qui voudrait que ce soit la République qui ait organisé cet attentat ? Cela, dans le confort indécent de leur anonymat sur les réseaux sociaux, derrière un écran de smartphone ou derrière un clavier d'ordinateur. 连续一个月以来，元气大伤的法国警力，抗争开始分裂的黄背心运动，是不是还会在耶诞节前继续在巴黎对峙？2018年，巴黎香榭丽舍大道上的跨年，会是一如以往灿烂的烟火，还是街头暴动的烟幕炮火？没有人知道。